nourriture. Merci pour du coup, cette nourriture que tu nous as permis d'avoir ce soir. Seigneur, je prie pour cette nourriture. Est-ce que cette nourriture puisse être une nourriture qui puisse être bénie, cette nourriture, qu'elle puisse nous restaurer, qu'elle puisse être sanctifiée, que ce qui est négatif dans cette nourriture ne puisse avoir aucun impact sur nous. Jésus. Amen. Amen. Hello guys! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous ai promis via Instagram, via Snapchat, ce soir je suis pas toute seule. Du calme, du calme, du calme, tu te calmes. Tu te calmes. Voilà. Voilà. Le casting a été très difficile. Très difficile. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez participer aux vidéos, parce que ce casting, je vais sans doute jamais le reprendre. Alors comme je vous ai promis, ce soir, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de mes sœurs, mes sisters. Yes. Voilà. Il y a toujours ce côté, vous là, vous n'avez pas vous réveiller. Réveillez-vous un peu. Soit je vous... J'ai dit j'allais censurer là. Là, je suis censure. Je suis censure. Je suis censure. Je ne suis pas seule, je suis avec mes sisters. Ce soir, c'est assez spécial parce qu'on reçoit les États-Unis chez nous. En ce moment de pandémie, c'est très compliqué de voyager. Difficile. Et un peu d'air étranger nous fait du bien. Un peu d'air state. Et on se retrouve pour une dégustation américaine, des produits qui nous viennent tout droit des États-Unis. Yes. Et je tenais à remercier My American Shop. Yes. De nous avoir envoyé tous ces produits. C'est une boutique qui vend des produits américains. Mm-hmm. Et qui se trouve en Belgique. Et en plus, ils m'ont fait un super petit mot. Thank you pour ta commande. Tu fais maintenant partie de la famille. On est très heureux de t'accueillir. Ici, tout n'est qu'évasion gustative et voyage aux États-Unis en première classe. C'est mieux et beaucoup plus cool. Un grand merci à eux. Ils ont été super sympas. Et voilà. Alors, on va tout de suite passer à la dégustation. Mais avant de se jeter, tu es pressée, ma soeur. Bruh. Pardon. Avant que nous commencions cette dégustation, on va donner les règles. Le but du jeu, c'est de goûter les produits et d'accorder une note entre 0 et 10. C'est sur une note, en tout cas, sur 10. Sur les produits, si c'est bon, si c'est pas bon. Et si vous les avez déjà vus dans des films ou autres vidéos, que ici sur cette table. Let's go! Goûtez quoi en premier? Moi j'aurais aimé des vidéos. Bah, ça, j'ai envie de goûter ça après. À la fin. Parce que ça, si c'est pas bon, on va se mêler. Ce truc là. Attends, la Wiglis. La Wiglis. Ça s'appelle comment déjà? La Wiglis. La Wiglis. Ce qui m'a choqué quand j'ai reçu le truc, c'est ça. Des cookies M&M's. Ah, ouais. Double chocolat. Pourquoi est-ce qu'on a pas goûté ça? Ça m'a grave choqué. Tu penses que nous achètes maintenant, toi? Attends, va chercher. Alors, on va commencer par goûter les cookies double chocolat de M&M's. Ah, c'est une belle histoire. Alors, double chocolat. Un petit peu pour toi. Un petit peu pour moi. Ça sent le chocolat super fort. Ah oui. Ben, c'est double chocolat. Obèse ou quoi? Bien. On a même pas. Les gens sont pressés dans cette vie. Regarde ton voisin de droite. Oh, la difficulté sur la bouche. Allons-y. Je pense que je vais pouvoir croquer comme ça. Tu peux pas couper pour rien. C'est bon, hein? C'est grave bon. Ouais. Hey, c'est vraiment trop bon. Dommage qu'il n'y a que les particuliers, les amateurs qui font des trucs aux M&M's et qui n'est pas en grande surface. Mais c'est trop bon. Dis-nous, Neftali. Sur une note de 1 à 10, tu mettrais combien? Je mettrais 8. Parce que c'est bien. C'est sablé un peu, mais sinon c'est très t'as les bons culinaires, toi. Karen, tu mettrais combien? 10, 8, 10. Et Joséphine? Ouais, franchement, c'est bien, mais je mettrais
je mettrais 6. Moi, j'aime trop les cookies. Hein. Enfin, moi, les 6, cookies. 20, Et en plus, le truc, ça fait pas mal au palais. Il y a des cookies quand tu creuses. Ouais, ça fait après, mal. Ça fait mal. Ouais. Alors que ceux-là, ils font pas mal. Ah. Alors, produit suivant, lequel on va goûter. Moi, j'ai envie de goûter les fruits. Ça, vraiment, quand j'ai acheté la box. Quand j'ai acheté la box, c'est vraiment ce qui m'a le plus intrigué. Je sais pas en fait c'est quoi. Apparemment, c'est de la barbe à papa. Ouais, c'est de la barbe à papa. Il ouais, a ben, vu ça où sur YouTube. Ben, voilà. Juste à regarder le packaging un peu quand même. Adi. Et aussi, si tu mets dans l'eau, ça fait de l'eau. Ça fait de l'eau rose, ouais. Colorée. Ah. Mais c'est la de la moisissure ou c'est de... Vu que c'est renfermé, on dirait que c'est bizarre. Papa, fais les fous. Goûtons. Non, moi, on dirait les trucs qu'on met dans les murs, j'aime pas la texture. Raphaël, des barbes. Ça me rappelle ouais, le truc qui pue là, et qui gratte. La force du trône là. Nostalgie. C'est bien. J'ai jamais été fan des barbes à papa et j'aime pas. C'est trop bon. Non. Celle-ci, par rapport à la barbe à papa du trône, elle est quand même. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Celle de la force du trône, elle est différente. Ah, elle est plus sucrée. Non, elle est pas plus sucrée, mais celle-ci, elle a un arrière-goût. Mmh. Un peu bizarre. Peut-être que c'est la couleur, parce qu'à la foire du trône, on prend souvent le rose. Ouais. Oui, la texture, j'aime pas. Et bah, pour le coup aussi, la barbe à papa, en général, si j'aime pas. Donc, pour moi, ce produit, je ne le validerai pas. Et je mettrai à tête 3, hein. Toi, tu mettrais combien? 10. 10. Toi, vraiment, tu es un juge corruptible. Moi, je mettrais 5. Moi, j'aime bien, mais je mettrais 4. La moyenne. Qu'est-ce que nous allons entamer tout de suite, là? J'aimerais bien ça. Celui-ci, il existe en France, enfin, je crois. Ah ouais? Ben oui, je pense qu'on va l'avoir déjà vu. Alors, celui-là, les Cheetos. Ah oui, ça, c'est épicé, en fait. Cheese flavored snacks. Donc, on va ouvrir ça. Alors, ben, si tu veux un peu partager, vous allez suivre. C'est vrai. C'est bon, ça, c'est du piment. Oh. On dirait. Non, pas beaucoup. De la viande chica. C'est tout rouge. Mm-hmm. Par contre, ça pique, c'est pas bon. C'est bon, hein? Donc ça pique un peu. Mais c'est bon. Ça pique, hein? Oh là 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 là. Là, ça pique. Oh là là, je m'attendais pas à ça. Pardon, les voix. Oh là là. La voix, pardon. Ma langue. C'est bon, mais ça pique. Si c'est, ça... Je pensais qu'il y a des chips qui piquent comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Les Doritos. Les Doritos, ils sont plus. Répare là-bas. Je pense qu'après ce truc épicé, on va prendre à boire. Ouais. C'est Big Red. Et ça a quoi? Ça doit être un truc peut-être... Un peu comme le Dr Pepper. Oh, je suis non, on dirait le... tu sais la boisson là que tu trouves à Château Rouge. Le faux coca, le cola. Coca, voilà. Qui a un goût super différent. Exactement. Et qui est super bon. Exactement, ça a le même goût. Allez, goûtons à votre santé. On dirait du Diabolo. Ouais. C'est trop bon. C'est grave bon. C'est le coca de Château Rouge. Non, c'est pas le Château Rouge, c'est le cola. Le faux. Si vous avez déjà bu le faux cola, ça a exactement le même goût. C'est super bon. Coca-Cola, là. Ouais. C'est le cola. C'est le nom, c'est le cola. Je mettrai un 10, mon premier 10. Mon premier 10. 9. Pareil, 9. 10. On est d'accord. Hey. Produit suivant. Je pense qu'on va prendre un truc. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ah. Ça s'appelle comment ça? Les fameux chocolats blancs. Hershey's. Hershey's. C'est cookie and cream. À la vue, déjà, j'aime pas. Parce que tu sais pourquoi j'aime pas? Ça me fait penser à les bubbles là, des japonais. Tu vois les boissons, il y a les grosses bulles noires à l'intérieur. Ah, les bubble steam. Et voilà. Toi, tu connais tous les noms, toi.
Allez. Mais c'est bon. Non, c'est bon. C'est juste le petit bémol. Le visuel. Ouais, voilà, j'aime pas le visuel. Ça fait trop barre sportive. Kéren, tu mettais quoi là? Oui. Toi, t'as tout le temps des 10. Faut laisser le 10. Toi, tu es vraiment juste 8. Moi, je mettrais 7. Maintenant, c'est au tour des... Meds. Tu m'as beaucoup embêté avec ça, toi. Des petites billes colorées qui s'appellent des meds. Et t'as vu ça où? Sur YouTube. Ah, ça se sert comme ça? Ouais. Mais il n'y a pas de sachet à l'intérieur? Mm-hmm. Mais ça, c'est un bémol. C'est un scandale. Oh, c'est une abomination. Je peux pas accepter ça. On dirait des miettes. Des billes, des miettes. Vas-y, mec. Bah, du coup, ça s'est mélangé avec les miettes de, ça s'appelle des glissons. Je sais même pas comment. Attends, je vais manger ça avec cuillère. Parce que là, là. Hein? Ça a le goût. Vous voyez quand on était petits, les petits colliers. Ouais, les tout bonbons en, là. Tout ah, en bonbons. Les bonbons qu'on mangeait. T'as mangé ça, toi? Ouais, une fois. Oh. Et c'est un peu acide aussi. Mmh. Finis juste à la fin. Les bonbons là. C'est acide, c'est acide. Kéren est galère. En plus, elle les met un par un sur la cuillère. Qu'en pensez-vous des nuds? Grave bon. 9 sur 10. 9 sur 10? 9. C'est bon. Ouais, moi je mettrais aussi 9. Mais c'est juste, trop petit, en fait. J'enlèverai un point parce que c'est super petit, c'est difficile à prendre. Ouais. Et en plus, dans une grande boîte comme ça, c'est... et il n'y a pas d'emballage à l'intérieur. C'est genre, on ouvre et ça tombe. En fait, ça, c'est le genre de boîte, tu prends, tu manges comme ça. Ouais, voilà. Après les nuds, on va attaquer quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est intriguant. Wow, fish. On dirait un sac de farine. Ouais, du fait doux ou quoi? Ça veut du fromage? Alors, real cheddar is better. Ah always non, c'est ça? Oui. Si, c'est seulement ça. C'est fait avec 100% de cheddar. C'est pas bon. Alors, ça a le goût des tubes. En fait, c'est des petits gâteaux au fromage, du coup, cheddar. Voilà, il y a le petit poisson devant là. J'ai pensé ça fait penser au gâteau dans les boîtes là, en plastique quand j'étais à Leader Price. J'aime pas ça. Ouais, géométrique là un peu. Mmh. Moi je vais prendre ça. Ça, et je pense qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs goûts. Je pense que c'est du chewing gum ou des bonbons. Et il y en a un en. Tu peux me lire ça. Blue raspberry. On dirait les malabar. Ah oui, ok. Ah, J'aime pas trop la texture. Que Dieu m'en garde. C'est comme les fruités là, j'arrive pas bien à mâcher. Ah, parce que c'est un bonbon, c'est pas un chewing gum. Tu vois, c'est de la chiclette. C'est pas de la chiclette, hein. Pour moi, c'est pas de la chiclette, mais j'arrive pas à manger. Déjà, myrtille, j'aime pas. J'aime pas trop à la fraise. En fait, tu sens en fait un goût chimique comme ça. J'aime pas trop. C'est vraiment à éviter. Les mystères. Je peux enlever la bouche là. Parce que je vais mourir aussi. C'est le bleu. Le bleu, attends, j'ai pas goûté. Bleu. Il a le goût de. Tu sais, le bonbon violet là. Le bonbon violet, la cassis. Oh, trop bon. On dirait de la cassis. Le bleu. Moi, aucun des trois, j'aime. Moi, j'aime bien le bleu. Là, le bleu, il est plus bon que le rose. Ouais, je mettrais. Un 2. Et puis on s'arrête là. Moi je mettrais un 5. Moi je mettrais un 5. Mais j'ai pas encore goûté. Toi t'en dis quoi du blanc? Il a la même couleur, il a le même goût que le rose. Que le rose. Ah bah si c'est ça. Pour le bleu, je mettrais 3. Pour les autres, mais pour le bleu, puisque c'est bon le bleu, je mettrais 3. Suivant. Ah. Des chips pizza. C'est Harry's Deep Dish Pizza. Pas de temps pour ça. Je veux pas quoi dire, ça de la pizza. Les, moi, j'aime bien les X, 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 L.
Alors, deep dish, pizza, flavored cheese. C'est bon, hein? En tout cas, la sauce tomate, on la sent. Ça me dit du salami. Comme le salami que tu as mis dans le micro. Dans le micro qui était congelé. C'était même pas du salami, c'était de la rosette. Oh my god! C'était la rosette qu'elle a mis, je te promets. Petite, elle a mis de la rosette congelée dans le micro-ondes. On lavera notre linge sale derrière la caméra. Le c'est bon. Mmh. Tu sens le sel. Moi, je mettrais 6. C'est bon, il y a bien la promesse de la pizza. On la sent vraiment bien. C'est juste que c'est un peu salé, mais ça va. Moi, je mettrais 8. Moi, c'est bon. C'est juste que c'est un tout petit peu trop salé. Mais ça va. Moi, je mettrais 6. Pourquoi 6? J'aime bien en milieu. Là. Parce que c'est aussi salé. Okay. Ça joue la pizza et là, j'arrive pas à mâcher le... Attention aux calories, quoi. Suivant. Ah là 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 là. Ouais, on va aller. Et il y en a 3. Ouais, il y en a 3. Ça, c'est... Les lapitafi. Là, tu as vu ça où? Sur YouTube aussi. Sur YouTube. Les lapitafi. C'est des branches comme ça. Je crois de bonbons. Je crois que c'est des bonbons. Ça, ça va être des bonbons. Ouais, qu'elle dit, c'est des bonbons. Et ça, c'est à la... Au raisin. Ça, c'est à la banane. Banane et cerise. Et cerise. Oh. Ah, bah tiens, il y a une ouverture. En bas. J'aime bien banane. J'aime beaucoup cerise. Banane, j'aime pas. C'était banane le jaune? Ouais, oui. Banane, ça doit être dégueulasse déjà. T'avances. C'est pas bon? De toute façon, les bonbons à la banane ne sont jamais bons. Moi, jamais. Le fruit, il est bon, mais les bonbons, ils sont... Ils sont jamais bons. J'appréhende. Banane, là. Pardon. Non, mais je voulais le mettre dans ma bouche, mais... J'arrive même pas à l'avaler banane, tellement c'est pas bon. C'est pas bon, le banane. Depuis la vache. Je prépare cerise. Toujours des et grappe, ça passe. Pour l'ensemble des 3, je mettrai le 5. Moi aussi. Et c'est un produit que j'ai jamais vu. Moi, je préfère raisin et cerise. Alors, moi, j'aime bien le rose. J'aime bien le rose. Ça aussi, il doit être bien. Mais par contre, la banane, je sais déjà d'avance qu'il est dégueulasse. Donc, je mettrais un 5. On dirait un carambar, mais il n'est pas aussi dur que carambar. Moi, je mettrais un 6. Toi, Yuki, déjà, tu avais mis un 5 tout à l'heure. Non. Si, tu avais mis un 5. Suivant. On avait goûté... Le blanc. Le blanc. Au chocolat blanc. Celui-ci, c'est chocolat au lait. Il faut distribuer à la soeur qui est là-bas. C'est pas possible. Mais donne-lui tout le truc. Pourquoi tu lui donnes des bouffes, voyons. Mais j'ai cru qu'il fallait couper. Shibuya. Ah, c'est du chocolat normal. Mmh. Normal, c'est-à-dire. Parce que pour les autres, soit c'est noir, soit c'est chocolat. Ah, oh, j'ai l'impression que c'est chocolat au lait. Noir. Non, mais qu'on peut trouver ici, quoi. C'est juste parce qu'il y a le nom. Il y a le nom, quoi. Hershey's. Voilà. Le goût, on dirait, c'est pas quelqu'un qui... le goût, on dirait, c'est pas quelqu'un qui a voulu. On dirait, c'est du chocolat noir, mais c'est du chocolat au lait. Moi, je trouve ça très bon. Ils font dans ma main. Même moi. Les taux se resserrent, les taux se resserrent. On va goûter quoi? Ça? Allez. Ça, je sais pas c'est quoi. Reese. Reese? C'est quoi? C'est un gâteau. C'est un gâteau de tête. Ah, ça se présente comme ça. C'est un cupcake, on dirait, mais c'est un gâteau. Ah, un fondant. C'est un fondant? Non, c'est pas un fondant, mais il y a un biscuit dedans. Mais il y a des bonbons. Hein. Ah, il y a du caramel. Il y a du. Comment dire? Il y a du cacahuète à l'intérieur. Il y a des crackers dedans. Peanut butter. Peanut, c'est. Ah, il y a du beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. Mmh. Et du chocolat au lait. J'aime trop les. C'est bon. Ah, c'est grave. On dirait. Il y a du mwamba dedans. On dirait des barres au chocolat. C'est bon. Ah oui. Ouais, on dirait des Snickers. C'est grave bon. Ouais. J'aime trop les
les gâteaux avec du beurre des cacahuètes à l'intérieur. 10 sur 10. Pareil. Moi, je mets 9. C'est très bon. Toi, t'es le genre de prof qui enlève toujours un point. Non, mais c'est bon. Hein. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut reconnaître. Non, mais c'est bien, mais... Je vais pas mettre 10 comme vous, quand même. Oui, c'est très bon. Au suivant. Ah oui, je voulais passer à ça. Ça, c'est les nerds. Les nerds. Mais ça sert à rien, en fait, de les goûter, parce qu'on les a déjà... Non, mais ça se trouve, il y a un goût différent. Oui. Hein, parce que le goût là... Ça, c'est arc-en-ciel. Ça, c'est rainbow. Et ça, c'est... Ça, c'est framboise. Ça, c'est raspberry and, et framboise punch. Et punch tropical. Une pointe de tropical. Moi, et ça se trouve par là. Ça se trouve par là? Ouais. Tu vois, ça c'est mieux. Ouais. Ça c'est beaucoup plus pratique. Ouais. Il y a deux, par rapport au grand. Moi d'abord, je vais essayer d'abord goûter le bleu parce que si on mélange tout après, c'est pas intelligent. Le bleu, il est. Bon, moi, c'est pas. Oh, Jésus! C'est bon? Esprit du Dieu vivant! Ça pique, mais de ouf! Est-ce que c'est censé piquer? Ou oh. C'est. Ah ouais! Ah ouais. Ça pique grave par rapport à l'autre. Ouais, ça c'est bon, mais c'est un peu acide. Moi j'aime bien. C'est toi qui voulais qu'on goûte ça. Moi j'aime bien. Moi je mets 10. Moi je mets. Je mettrais 6. Moi je mets 4. Moi je mets 7. Moi je mets 10. Prima! Un peu comme les M&M's. Non, c'est des M&M's. C'est des cookies mini M&M's. Ah, c'est comme l'autre là. On dirait les anciens. Le premier. Des cookies beurre. Ils sont tout petits, tout mini. Oh, trop mignon. Ça, c'est pour des petites, hein. Allez. Moi, je me dirais dans ma bouche. Hein. Tu attends, même pas compris. Tu me dirais dans ta bouche. Ça, c'est des petits snacks que tu peux manger quand tu rends des cours. Voilà, petite pause. C'est pareil. Et c'est pratique. Sablé, c'est doux, c'est léger. Et je mettrais 10. Moi aussi. J'ai jamais vu ce produit. C'est de la toute première fois que je le vois et c'est super joli. Comme ça, si t'as pas le temps de prendre ton déjeuner, tu prends direct ça. Suivant. Des Mike and Ike. Ike et Mike. Ouais. Très difficile. Oui, c'est gros, hein. Oh. On dirait des jelly beans là. On dirait des médicaments. Tu sais, les bonbons là qui sont super pas bons. Là. Ah ouais, dégueulasse. Alors ça, c'est... Chérie, c'est pas la cerise. La cerise. Ah, oh, c'est la gélatine, c'est grave. C'est bon. C'est bon, c'est là. Et ils sont super gros. Et ça coûte combien? 25 cents. Suivant. Ça, c'est les Jalapeno. Jalapeno. Merci. Jalapeno. Parce qu'il y a le truc là. Non, ça. Ah, jalapeno. Jalapeno. Ça se passe comme ceci. Et ce sont des chips. American. Fromage. Et ils ont mis ça, c'est du piment. Du c'est... poivron. Non, c'est pas un poivron. C'est, je crois que c'est du piment, le piment vert c'est que maman a mangé. Ouais. Ouais. Genre ce qu'on avait mangé, c'est pareil. Ah, ça pique. Pourquoi les Américains, c'est pas ils sont... Ah, ça pique. Je comprends pourquoi les Américains, ils sont... Ils aiment trop les... Arrête de mettre ton scénario ici, là. Ça pique pas. Moi aussi, ça pique. Ça pique pas, mais ça a un goût épicé, quoi. Oui. Ça sent les herbes. Ça sent le piment, mais herbes. Ça pique pas. Ah ouais, par contre, l'arrière-goût, il pique quand même. Mais légèrement. Pas ça ? La note, je mettrais 3. J'aime pas le goût. Ça sent les herbes, ça sent le piment. Moi, on sent pas le fromage. Ouais. Moi, je mettrais 5. Moi, je mettrais 5 aussi. 2. Pourquoi ? Parce que c'est un peu épicé, mais sinon, c'est bon. Suivant. Ça, c'est un truc de Noël, je suppose. Kiss. Les kisses. Comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre par derrière aussi. Attends, comment vous pouvez faire des packaging comme ça? Et voilà. Déjà, le packaging, c'est dur à ouvrir. Oh là 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 là.
Ça, c'est vraiment des c'est chiant. Hein. Ils ont la forme des truffes. Ça aurait été bien si on avait goûté des truffes. On dirait un peu des oignons. Attendra, tu vas attendre Noël pour les truffes. On dirait un peu des oignons. Les oignons. Oh, c'est trop mignon. On dirait une crotte. Ah oui. Et moi, j'y croque. C'est du chocolat. C'est juste que c'est bien présenté, mais c'est du chocolat. Mmh. Voilà. En plus, je mettrais... Moi, je mettrais un 5. Allez, pourquoi pas 6 5. 6. Et on dit suivant. D'abord, on va goûter par ça. Les moins populaires. Reese. J'aime... Oh, il y a du caramel. Oh, j'aime pas le caramel. Oh, c'est élastique. Ah oui. Mais aussi le goût du caramel, un peu. On dirait des sneakers. C'est pas possible. Comment tu veux manger? On dirait un sneaker, c'est un peu pareil. J'aime bien le chocolat, mais oh là là. Depuis tout à l'heure, moi, le chocolat, il va jamais m'évanouir. C'est bon et ça a le goût du sneaker. C'est du sneakers. Voilà. Et du Mars. Moi, je mettrais un 9. Moi, je mettrais 6. Moi, je mettrais 5. 4. Catégorique. Avec tellement de conviction. 4. 4. Suivant. Non, ça. Non, ça. Ça, vraiment. On va attendre. Attends. Parce que ça, là. Non. On met ça? Ouais, ça. On sera terre à terre. Quoi. Continuons sur une note de caramel. Ça, c'est des M&M's au caramel. Yes. C'est pas Benenut. C'est pas chocolat qu'on a l'habitude de voir. C'est des caramels. Attends, oh, il n'y a que des jaunes ou quoi? Non, il y a des verts. Ah, ça m'a fait peur. Au début, j'ai cru que c'était du Brésil. Hein. Ça a le goût du caramel. Ah, j'aime pas du tout. Au début, c'est bon. C'est vraiment, ça a un goût vraiment différent. Mais après, à la fin, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas le caramel. Et je suis catégorique. J'aime pas ça. C'est trop la live. C'est archi pas bon le caramel. À part le caramel du McDo. C'est avec les caramels. Ah oui, le Sunday caramel. Ouais, il y a tout le reste, c'est pas bon. Alors, moi, je mettrais un 7. Moi, je mettrais... Bon, après, le début du goût, il est bon. 5. Allez, 5. Moi, je mettrais un 3. C'est pas toi qui venais de dire, oh, le caramel, c'est la vie, c'est la life. Faut être objective, Karen. 4. Oh, le goût est horrible. Okay. Suivant. Ça, c'est MTN. Doui. C'est à la pamplemousse. Voilà, Neftalim, ça je t'ai dit, il fallait une autorisation. Et oui. Et oui, nous on est majeurs et vaccinés. Les enfants travaillent pas à cette heure-ci. Bon, on va goûter ça. On va dormir, Neftalim. Je veux voir. C'est un 7-Up? Ah non. Je sais pas c'est quoi ça. Comment s'appelle le fruit là? La pastèque. Du. La pastèque. Oh, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Un peu du savonnette. En tout cas, je mettrais pour cette. J'aime pas trop. Il y en a toujours un qui doit nager à contre-courant. Toujours un. Hein? Pourquoi tu n'aimes pas? Bah, j'aime pas. Le goût là. Enfin, moi j'aime bien le goût. Suivant. Alors. Ça. Les lions. Maman! On finit, on finit! Je crois qu'on va clôturer la séance! On va goûter la barre Lyon. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est à quel goût? On avait des céréales avant. Les céréales Lyon. Ah oui, les céréales. Mais c'est à quel goût? J'ai jamais aimé les céréales Lyon. Je devrais voir ce que c'est. Une barre céréale. Une barre céréale. Et ils disent pas ça. Ça, c'est pas anglais, ça. Salé et sucré. Lion sauvage, édition illimitée. Regardez la barre comment c'est.
L'impression qu'il y a du pop-corn dessus. Alors. C'est mon corps, prenez et mangez. Ah, ça, il y a des dents dessus. Regarde. Sweet and salty, genre ils ont mis le sucre salé. Je trouve que c'est bon. Hein. Ça passe. Je mettrais 8 moi. C'est juste le packaging, il est intriguant parce qu'il est vert et on a l'impression que c'est pas de la pistache ou je sais pas, des légumes à l'intérieur, mais c'est bon. Moi, je mettrais. Du bagage. 8. Moi, ouais, je mettrais 8 aussi. Et on va goûter. Les. Fluffy! Alors ça c'est quoi? Ça c'est de la pâte à tartiner au chamallow. Marshmallow. Fraise. Est-ce ça, que c'est bon ça? Ça j'ai eu des sucre. Il y a des gens ils mangent ça à la cuillère et. Mais ça comme du pain et. J'aime pas le chamallow. Attends. Alors. Arôme fraise. C'est marshmallow. Bon. Franchement, les Américains, une pâte à tartiner au marshmallow. Ah, oh, c'est bon. Attends. En plus, c'est tout gluant. Pourquoi c'est comme bon, ça? Pourquoi comme ça? Faire les choses comme ça. Mais c'est bon. Hein? Attends, c'est grave pas bon. Apparemment, j'ai des échos, c'est dégueulasse. Attends, je. Déjà, le marshmallow, je le trouve pas ouf comme produit que Caribou ils aient fait. Alors, la pâte à tartiner. Comment les gens ils mangent avec du pain? Toi, je te mettrais un 1. Même pas. Moi 0,5. Parce que t'as la fraise, mais bon, le reste, faut laisser. Moi, 10 sur 10. Fayou. 2, 1. Et le redoutable. Suivant. On y est là. Leur bébé. C'est pas bon. Ça, on va se mêler. Dans tous les films américains, il est pris. En tout cas, placement de produits, lui, il a réussi. Forcing. Ah, c'est pas bon là, on va se battre. De la réglisse. Ah non, si c'est pas bon. Non. Non. Ah, ça se voit pas tout comme ça. Ah, on dirait ce que je pense. Un pour toi. Oh là là. Ça a la fraise. Si, c'est pas bon là. Ça a la quoi? À la fraise. Ça a la fraise? Ah ouais. Mais ça n'a aucun goût. La vie. Ah. Même pas. La vie, là, ça a même pas de goût. Est-ce que c'est un truc à manger même? Ça n'a même pas de goût. Oh non. Je suis déçue là. Je suis déçue. Je m'attendais à un truc de ouf. Mais c'est ça pas bon. Aucun goût. Aucun. C'est-à-dire que c'est fade. Il n'y a rien du tout. Pas bon? Ah. On peut pas accepter ça. Ça, c'est vraiment irrespectueux. Ils nous ont vendu du rêve dans tous les films. Dans tous les dessins animés, c'est présent. Ah. Je vais prendre un coup de ça parce que non. C'est pas possible. Vous en avez pensé quoi de la dégustation? Elle était bien. Franchement, j'ai fait des découvertes. Hein. Ouais. Que ça soit en mauvais ou en bien, mais j'ai fait de bonnes découvertes. En franchement, tout cas, merci. La découverte. Merci à My American Shop pour ces produits. Parce que. Et même en allant aux États-Unis, je pense pas avoir acheté tout ça. Voilà. Par exemple, les fluffy, j'avais pas dépensé mon argent en fait là-bas. On aura déjà un avant-goût. Ouais, voilà. Franchement, merci à eux. Là, on sait. On sait ce qu'on va acheter. Exactement. C'est pas t'achètes comme ça, plein pas, et puis tu arrives ici, tu te découvres. En fait, c'est pas bon. En fait, c'est pas bon. Tu t'as jeté de l'argent comme ça. Voilà, et pour tous ceux qui me demandent, je mettrai en lien, le lien en barre d'infos. J'ai pris la box XXL, la box qu'on appelle découverte, pour découvrir tous ces produits. J'espère que la vidéo vous aura plu, on touche à sa fin, parce qu'il y en a qui faut qu'ils aillent dormir, leurs parents les réclament. Déjà leur heure. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et surtout d'activer la cloche pour ne rater aucune des autres vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Salut.